Et coucou les gens. Ah, ma voix. Quelle horreur. Hier soir, j'ai pas live. J'avais pas envie, puis on n'a pas fait grand chose. Mais là, on est au taquet. On y retourne. Les Drakes, c'est une vraie merde à trouver sur Crystal. Du coup, on va aller sur Fjordur. En espérant ne pas crash. En espérant que tout aille bien. On va se voir ça très vite, ça, de toute façon. La peau, la peau, la peau, la peau. Voilà. Bon, bien sûr, on prend notre arme en normal. Parce que les éléments, on ne peut pas les transporter de map en map. Du coup, ça aurait été un petit peu compliqué. Tout ce qu'on va regarder, c'est pour. Éléments, cristal, métal, polymère, le noir. Je vais du coup en faire un directement. Vers le noir, métal, polymère, cristal. Je crois qu'il en fallait pas beaucoup. Ça suffira. Ça va me consommer des éléments, mais il faut bien qu'on le fasse. En espérant qu'il fonctionne sans générateur. C'est tout. Ce que j'espère. Est-ce qu'ils le disent? Il est où? Aveugle, il est là. Permet de transférer le... J'ai rien à crafter. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Il n'y a pas besoin d'éléments pour fonctionner. J'allais essayer de m'envoler avec la tenue, mais non. Pas comme le tech. Hop là. Ça, on repose. J'ai une cryo. J'ai pas besoin d'autre chose, j'ai mes flèches. Bon, j'ai pas beaucoup de viande en revanche. Je vais pas descendre. Est-ce que j'en aurais pas là? Non. Bon, ça suffira. Rien sur l'épaule. Non. On est parti.
Juste prendre la viande. Je vais déséquiper mon armure. Ma barre, normalement, je crois que j'ai pas besoin de la déséquiper. J'espère. Est-ce que je ferais pas quand même ma barre? Je vais quand même faire ma barre au cas où. Laisser les sacs de couchage pour voir si ça fonctionne avec le lag. Mon Dieu. En espérant qu'il n'y ait pas du monde sur Furia. Personne. Ça va. J'aime pas faire ça parce qu'à tout moment je crache et j'arrive pas à revenir. Et ça, ce serait un peu con. Déjà? Oui. Alors. Sud. Normalement là-bas c'est très bien. Alors par contre le seul truc que auquel je n'ai pas pensé, c'est que j'ai pas pris d'autres cryos au cas où. Normalement je vais pas tamer. Et j'ai pas pensé à. Et si jamais on n'avait pas le droit de voler dans la cave. Et là, ça peut être chiant. Mais bon. On va s'en rendre compte très vite, de toute façon. Voilà. L'avantage, c'est que tout est dans l'ordre. Nous, il faut qu'on y aille vers Asgard. Est. Enfin, l'est, je sais pas, c'est un peu du pifomètre, mais il faut qu'on aille à Asgard. Enfin, juste qu'on va pas se faire casser la gueule quand on va arriver, quoi. C'est un peu dommage.
Allez, t'es un champion. Oh, on est pile au bon endroit. Y a des Shadow Main. Ça me fend le corps, le cœur. Le corps, n'importe quoi. Level 500. Alors, j'ai dit qu'on était au bon endroit. Mais il reste à savoir. Non, on n'est pas au bon endroit. C'est à l'autre qu'il faut que j'aille. Ah, c'est là. Mais c'est tout au fond. Il me semble. C'est tout au fond ou c'est là? On va voir ce qu'il y a de marqué sur le panneau. No build zone. C'est bien, ils me disent que c'est la cave. Ah, c'est vrai qu'il y a les radiations. Putain, j'avais oublié ça. Alors, la seule façon d'échapper aux radiations, c'est soit d'avoir une tenue, soit d'avoir une tenue tech. Enfin, une tenue anti-radiation, soit une tenue tech. Est-ce qu'il y a des loot dans Asgard? J'ai pas l'impression qu'il y a des loot. Putain, j'avais oublié ça. Je n'ai pas perdu beaucoup, mais bon. Il me semble que la tenue tech, elle me protège des radiations. Donc ça pourrait être pas mal. Encore faut-il qu'il y ait des loots. Et c'est vraiment pas le cas. Vanalonde, pardon. On trouve un loot rouge, on prend une tenue tech, on trouve un loot jaune, on prend des éléments tech, enfin des éléments, du coup, et on y retourne. J'avais spawn en est, et c'est pas mal parce que c'est pile là où il faut que j'aille. Putain, j'ai crash. Ah. Bon, j'espère que je vais pas me faire attaquer d'ici là. Je sais que j'ai spawn en ouest, mais merde, il n'y a que cristal là.
Vous pouvez déplacer un cadavre ou un corps inconscient, votre monture peut aussi transporter des corps. Hein? Bon. 15 minutes de live et on a crash. Bon, en même temps, c'est fur dur. À force de stepper. La blague. On a spawn à côté d'une grosse construction. Donc je me demande si c'est pas ça qui a fait que. Allez, on y retourne, cette fois c'est la bonne. L'avantage c'est qu'il y a une construction à côté. Donc le spawn de dino doit être légèrement réduit. Donc avec un peu de chance, je me ferai pas dézinguer. Je dis bien avec un peu de chance. On se rappelle de la chance que j'ai. Ah, elle est pas si grosse que ça, je la voyais plus grosse. Bon. Objectif, trouver des loots intéressants. Ah mon dieu, j'ai pas envie de recrash. J'espère que les loots c'est pareil que sur les autres maps. Sinon ça peut être légèrement embêtant. Une base. Je sens pas trop ce truc là. Ça fait bobo. Qui sont comme ça les loot. J'ai oublié. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Les boss sont faits de rien. Stylé leur buzz. Oula. Je crois que Fjordur c'est une des maps où il y a plus de monde. Donc je pense que c'est normal que ça fasse mal comme ça déjouer. Alors, je répète, il nous faut un jaune et un rouge. On va regarder le bleu, mais on va pas regarder le bleu.
y a du verre partout. Il y avoir du jaune et du rouge partout. Ça m'arrangerait bien, moi, perso, que ce soit du jaune et du rouge. Ah non, c'est un... c'est un mini-loot. J'ai le seum. C'est un plan qu'il y a derrière. Ouais. Il y avait encore un truc rouge là. Non, c'est un bleu. Mais il y a un vert. On va rester par là-bas, c'est là-bas qu'il y a la plupart des loots. Quitte à tous les prendre, mais ça me fait un peu chier de tous les prendre. Cliquer cette zone. Il y a quelqu'un? Ah oui. Ah là-bas, c'est pas un jaune. Oh, pas un jaune là-bas. Ça me fait chier d'aller aussi loin. Parce que je sais pas à quel moment je peux crash. Mais bon. Tout le monde c'est un jaune, mais il disparaît avant que j'arrive. À tout moment, c'est un blanc. C'est une possibilité.
mettre un jaune. Un blanc. Un blanc ou c'est un jaune? J'ai un peu de mal à savoir. Il n'est pas encore tombé donc. Non plus. C'est bien jaune. J'ai plein de trucs sur moi qui ne m'intéressent pas. Beaucoup de choses vont aller au broyeur. Il n'y a pas d'éléments. Je crois que je vais finir par y aller comme ça dans la grotte. On verra bien ce que ça donne. Sinon, si je trouve une potion, des potions pour restaurer nos points de zéro et tout remettre, ben je mettrai tout dans la vie. Pas très grave. Une sur moi. Ah si, j'en ai des toniques d'amnésie. Bon, on va faire ça, je pense. Pas la meilleure idée, mais bon, un peu de résistance, tout dans le dans la vie. Et peut-être que je survivrai. Et si jamais, je mettrai des lits dehors, comme ça. On serait tranquille. On va se mettre sur le caillou. Je vais prendre une photo de mes stats. Si je dois courir, je vais connaître absolument tout dans la vie. J'avais 2200 en vie, je crois à peu près. Attends, faut tout que je réapprenne?
t'es posé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur moi que je peux bouffer pour décéder? J'aurais du polymère, ça aurait été plus vite, mais j'en ai pas. Ça va être bien de cru. Plus vite. Allez, un peu plus de 100 PV. On peut le faire. Pas passionnant. 100 PV. Non. Garde. Et je te mets bien en neutre au cas où. En espérant que tout aille pour le mieux. J'espère. Le seul truc, c'est que j'aurai pas de vitesse. Donc si jamais je dois recourir dans la grotte, bah, je courrai pas vite. Ouh, ça sent pas bon ça. Ah, j'ai cru que j'étais dans le biome bizarre pendant un moment. Non, du coup, c'est pas bon, c'est par là-bas. Il fait vraiment nuit là. J'aime pas ça quand il fait nuit sur des. Sur les jeux en général, mais.
Mais putain, j'étais... Voilà. On a 5. J'ai le droit à 5 morts. Je vais tout garder sur moi. Plus qu'à croiser les doigts. On va vite voir de toute façon si c'est possible ou vraiment pas. Quelques œufs. Si jamais je suis proche de la mort, retourner dans la grotte. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt bien. Ouais, il y avait un œuf là. Je les vois à peine avec le truc de radiation. Oula. C'est bizarre, j'ai pas tout mon temps, je suis presque mid-life. Là ou pas? 566. Ça, c'est un bon œuf. Reste juste à en trouver plusieurs des 560 et quelques. Parce que je suis pas sûr d'avoir des couples moi. Ils sont tous morts ou quasi tous morts. Toi, tu ne seras pas le level 200 par exemple, à part si je l'ai déjà cuisiné. 300. J'ai vu qu'il y avait un 9. De la moitié.
seul souci, c'est que retrouver l'entrée, ça va être chaud patate. Bon, on y va. Il me semble que l'entrée, c'est par là. Putain, c'est où l'entrée? Un œuf là. Le moment où j'ai plus le signe de radioactivité. Ok, là. Mais je vais quand même mourir, je pense. Non. On va se mettre à la limite. Je peux pas faire de sac de couchage. Ah, parce que je les ai pas pris. La peau. Est-ce qu'il doit me manquer? Voilà. Bon. On en a déjà quelques-uns. Le 566, il a 183, 200, 200. 300, 166. Ok, il a pourri. J'ai un peu le seum. Mais bon, je vais retourner. Par contre, après, j'enlèverai mes gammas. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de lumière. J'espère juste que je vais bien pouvoir spawn sur ceux-là et pas sur ceux qui sont en haut. On perd du 5 par 5. Bon, c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire le tour. J'ai eu le temps de faire le tour, donc je pense que ça va aller. Je pense que c'est sur cela qu'il faut bien que je réapparaisse. J'espère. Putain, j'ai même pas le temps. Bon, que j'ai mon armure ou pas, de toute façon je pense pas que ça change grand chose. Ouais, je pars quand même du 5 par 5. Bon, si on va dire que ça change quelque chose, à partir du moment où je me fais attaquer par un Drake. Mais sinon. Megama.
Bon, toi, t'es pas dans le jeu. J'ai ton œuf. Ah, mais. Si en plus je perds du temps à faire ça. Ok, son œuf. Pas faire respawn du HL. Non, ça c'est pas cher, c'est le level 100, ok. On tape à 150. D'avoir les chargements tous les 2 mètres. Franchement, j'espérais trouver des œufs HL dès le départ. C'est compliqué. Hein. Attends, j'avais tué du level 600 tout à l'heure et tout, mais. J'ai fait ça, hein, que je me suis passé des points dans la vie. Parce que j'ai même pas la moitié, j'avais pas la moitié de ce que j'ai là. J'aurais pas duré longtemps. Il y en a pas, faut que ça respawn quoi. On va remonter. Le truc c'est que j'aurais bien aimé remonter au dernier moment, genre vraiment pour pas attendre.
Et je pense que ce qu'on va faire, c'est que vraiment quand j'aurai plus de vie, on mangera de la viande. Que ça aille plus vite. Surtout, enfin, que ça aille plus vite, non, mais. J'ai pas besoin de retourner dans les radiations après pour. Le truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait un Drake qui arrive là parce que c'est pas le moment. C'est vraiment histoire de dire que je suis pas dans les radiations quand je me réveille. Ça fait 1 heure que je live et on n'a toujours pas fini les drakes. Après, c'est faut rentrer et tout. Désolé si vous entendez l'église. Bienvenue au village. Reviens, Jean-Luc. Mais non! Mais vous voyez, je perds du temps à cause de lui. Tout à l'heure, il faisait du 590, hein. 816, une fausse ligne. Obligé que ce soit une fausse ligne. Dis-moi que t'es level du 616. Putain. Parce que je voulais. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, on va laisser le temps que ça respawn. Je vais trier mon inventaire en attendant, parce que bon, ça respawn pas assez quoi. Pas que tu périmes. Non, mais il y en a partout.
Là, on a notre première fachère. Il ne reste plus qu'à en avoir 4-5 pareils. Du 316, j'en ai à gogo. Ouais, je fais attention à ma vie, mais je fais attention au griffon aussi parce qu'il se prend des dégâts. Mais il s'en prend pas beaucoup, mais il se prend quand même des dégâts. Il est comment là? 80 000 sur 100 000. Ça va encore. Je vois même pas les drakes. Enfin, il ne doit pas y en avoir vu que la moitié sont morts. Mais parce qu'avec cet effet là, j'ai mal aux yeux. Et je vois que dalle. C'est-à-dire que les os, on les voit parce qu'ils seront voyants. Mais ils ne seraient pas voyants, on verrait que dalle. Ouais. Je pense que là, la prochaine mort, je sors de la grotte, je me pose à un endroit. Ah. Et puis on trie l'inventaire en attendant. Pas un drake là? Parce que bon, si je m'en vais pour laisser place à des drakes niveau 80. Pas ouf. Ok, plus de vie, quasiment. On va retourner à l'entrée. Bon. C'est que quand je suis avec le griffon hein, qui a de la radioactivité, quand je descends, j'en ai pas vraiment. Voilà, là je vois un peu mieux ma vie. Et quand on sera en haut, on enlèvera les salles de couchage qui sont en haut. Comme ça évitera que je respawn à un endroit où il faut pas. Et là, on va remettre les salles de couchage. Encore. On enlève les skins, on peut seulement enlever tout à l'heure. Un noir. Batterie faible.
J'essaie de bouger. Ils sont là. Putain, mais... C'est pas vraiment ce que je veux faire de ramasser des trucs. Alors, où c'est que je peux me poser? On va se poser là-haut. Il est quelle heure? Midi. Il m'écoute que mais il a le temps, lui. Hein. Bon. En attendant. Rayons un peu. Est-ce que toi t'as des trucs intéressants? Non. Donc à part te reprendre de la viande, on va tout jeter. Alors c'est toi qui vas garder les œufs. Comme ça je fais pas une bourde en jetant hein, sans faire exprès. C'est qu'on va faire un dossier avec marqué HL et dans celui-là on va mettre il doit être vers le bas sinon c'est que de la. Hein, bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Ça. Ça c'est à moi donc oui. Pareil, je peux regarder pour l'instant. Oh, il y a un moment où j'ai pas rangé moi. Il n'a pas acheté mes skins quand il fallait. J'ai pas acheté mon chibi. Je vais manger un peu le seum. Il y a 6 niveaux là-dessus. J'ai jamais testé de voir si je pouvais essayer un autre chibi et si mes points y restaient ou pas. Ça, c'est pas du tout. Ça, on jette. 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 Ça, pareil. 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 Là, tu gardes. Ça, on jette. Ça aussi. Pareil. Celle de terrain va pas nous donner grand chose. Merde, juste la pioche, c'est pas grave. Celle d'argile, pareil. Schéma, pouf. L'épée, ça peut être intéressant. Même si je les brasse, ça va pas me donner des trucs de fou furieux. Ça, je vais le mettre là. Et ça, je me le remets. Hop là. Oh, on est pas mal.
il est beau avec son bleu. Ah lui il est horrible. Mais lui là avec un peu de bleu, c'est des R en plus. Oh. Un scorpion. Le mot scorpion. 480. L'abeille est quoi? 1 kg. Bon, on y retourne. On n'aura pas attendu longtemps, mais je pense que ça a déjà respawn pas mal. Ça respawn déjà bien quand nous on part parce qu'on meurt, donc en soi. Vas-y doucement. Ça a du respawn et il n'y a pas d'œuf au premier. On va pas me faire ça en plein chargement, donc je crache. De Google. Bon, pas folichon. Parfait. Parfait aussi. Là on a du HL. Bon, toi t'es 500 un peu. Oui. 500 ou plus. Le level 600 faisait moins mal. Si c'était un Ops level 566. On a retourné au début. Mais il y a un nick à spawn. Ça c'est bien. Mon level est moins bien. Je vais laisser mes gamins, mais on a toujours autant de lumière. Putain, mais... D'accord. Mais le level 83 il a fini, il m'en prend combien?
level 600 là avant que je le tue, il pouvait pas m'en prendre un peu plus. Level 300, 200. Une vierge, des cinq. On va faire un tout petit tour. On va regarder en allant vite. Avec le chargement. J'attends le moment où je serai vraiment trop gourmand. Que je ferai la connerie de mourir ici. J'attends ce moment. Dire qu'il arrivera. Enfin quoique, j'ai tellement pas envie que ça arrive que je fais attention. Là on va repartir. Donc on a 1200 encore de vie. Et comme ça, ça va nous laisser le temps de ranger les œufs. En fait c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un incubateur. Histoire que... Histoire que je regarde si j'ai des couples ou pas. Ça me saoule. Alors, 183, 600. On va là-dedans. 566. On va là-dedans. Ça, ça dégage. Ça, pareil. Ça. Pouf. Aussi. Quand je montrerai tous les œufs que j'ai à Xenox. À combien là, 420? On va attendre encore un peu. À 100 points de vie, on va déceler, on va aller derrière. Bon, on a 3 œufs HL, enfin techniquement HL, on va jusqu'au niveau 750. Bon, 616 en meilleur level, c'est un peu chiant, mais bon. Alors là, on n'oublie pas, on enlève l'esquive. Bon, quelle horreur. Ensuite, on fait ça. On équipe ça. Normalement, le corps, on récupère et on y retourne. Ah là, on y retourne sans se bloquer. On n'a pas un HL. Oh si, un HL. C'est un mal. Un level 600, il risque pas de nous faire de mal.
Encore. Pas envie de répondre. Bon, c'est tout. J'ai vraiment envie de faire un incubateur pour voir, mais que je détruise tout ce que j'ai et tout pour regarder. La flemme. J'en ai pas d'incubateur, j'en ai pas l'outin, par hasard. Si je rentre et que j'ai 3 mâles à chèvre, pas comme ça va grand chose. Ouais, c'est un peu trop grand. Mais c'est pas foufou. Que dalle. Attendez. Y a rien. Je crois qu'on va faire un petit tour de map quand je vais remourir. Pêche 3 là, 200 ça dégage, 200, 180, c'est pourri.
4 rangées de 6, 6, 12, 24, 25, 26. J'ai 26 œufs. Ça fait un peu, beaucoup. Si on va dehors, il fait mieux quoi. Ça me saoule un peu. Je pense qu'on va quand même y aller. Et je vais quand même peut-être faire un petit pied-à-terre. Et essayer de faire un incubateur. Est-ce que c'est bien raisonnable d'essayer de faire un pied-à-terre? Je suis entre deux chaises parce que je me dis c'est bien d'y retourner et tout, parce que comme ça respawn pas beaucoup. Et quand il y en a un ou deux qui respawn, bah c'est assez simple. En même temps, le tour on le fait tellement vite. On va sortir, on va attendre. On va attendre un peu. Attendre 5-10 minutes. Ok, alors 11h17, on y retourne à 27. En attendant. On va tout passer le chapeau. En soi, tout ça, j'ai un broyeur, je pourrais déjà le broyer techniquement. J'en ai un à la maison. On va regarder si j'ai meilleur que ce que j'ai moi. La mienne elle est 618. Ouais, j'ai mieux. H, j'ai mieux. L'arbalète, je pense que même si j'ai mieux, je la garde. J'ai pas mieux. Mais je la garde. De toute façon, mon fusil il est full. Il est au plus haut possible. Ouais. La durabilité, elle est pas tant usée que ça. Combien avec lui? 750, ouais, c'est quasi parfait donc. Les musiques de ce jeu sont incroyables. C'est beau. Ah mon Dieu. Je réponds à mes messages mais en attendant.
Pas du tout intéressant là, mais bon. J'ai le ventilo, j'ai chaud. Bon, à 25, on y retourne. De toute façon, je pense que je vais arrêter le live. Quoique. Pour vous, c'est pas intéressant. En même temps, si dans 10 minutes, quelque chose d'intéressant, je préfère que vous le voyez. Comme ça, moi, ça me permet de le mettre sur TikTok aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le TikTok d'ailleurs. Il est en bio. Ouais, j'espère qu'on va avoir des bons drives quand même. Pour être pas mal, pour être bien, mais bon, on va pas en demander trop. Du coup, je réfléchis, mais j'ai fait un émetteur pour un rien à la maison, vraiment. Bon, c'est pas grave, on a un émetteur. Histoire de... J'avais des éléments à dépenser. Ce qu'il faudra surtout qu'on fasse, c'est un réplicateur. Pour la prochaine map. Plus de 2 minutes. Ah, mon Dieu. Perso, en attendant, je traîne sur TikTok, hein. C'est très bien TikTok. Très très bien. Ça fait passer le temps, quoi. Tiens, je vais regarder quand est-ce qu'il sort le nouveau arc du coup. Arc 2. De... 2024 ou plutôt 2025 au plus tard. Donc fin décembre 2024 ou le premier semestre de 2025. Bah, les premiers 6 mois de 2025, c'est jusqu'au mois de juin, quoi. Donc soit il arrive novembre, décembre 2024, soit il arrive au mois de juin ou plus tard 2025, c'est énorme. Et Arc Ascended là. Alors,
sorti octobre 2023. Ok. Et le dessin animé Arc. Est-ce qu'ils ont fait un dessin animé aussi? Ah, ça a déjà arrivé, j'ai même pas fait gaffe. Faudra que je regarde un peu plus. Faudra que je regarde ça de plus près. Alors, on y retourne. Il doit être 25-26, quasi 26. Par là. Je fais des bêtises. Les cristaux, ça va être méchant. Ok, me dites pas que ça apparaît spawn et que j'ai attendu pour que dalle. Okay. Ça a pas mal à respawn, en tout cas ça m'a l'air. Par-dessus. On a 2, 3, 550. T'es quoi toi? Un mal niveau 6. Que c'est sans doute le dernier tour qu'on fait ici. Malgré tout, ça fait un bon moment qu'on y est maintenant. Il va me sauter dessus, il va me sauter dessus. Et si jamais, là, je reviendrai. Pas tout seul, c'est pas. Mais honte. Putain non. Peut-être l'avant-dernier tour finalement. Aucun level pour l'instant. Hein. J'aimerais bien au moins en avoir un. La 66, c'est pourri. Mais monte dessus. Putain, je suis collé à lui, ça me fait pas monter. Bonjour. Non, ça aussi c'est mieux. Et s'il est moche. Soixante-six, non, 316. Et moi que t'es HL. Putain, mais. Assis-toi. Va faire péter un plomb ce truc. Un 6 là.
Putain, mais... Oh, et c'est bien les griffons, hein. Qu'est-ce que c'est chiant. Level 600. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a une femelle level 600 casse-prune? Faire des œufs, c'est tout de suite. Ah, ça va être elle. Ah non. On a toujours ainsi ça. Encore le 316. D'ailleurs, j'ai eu un 316 pile au même endroit. Bon, je pense qu'on va refaire un tour. Je vais me laisser becter. Oh, c'est bon. J'ai vraiment besoin de voir les levels. Sans avoir à sortir la longue vue. Le message pour faire passer un peu de temps. Bon, en attendant de mourir un peu, je vais ranger les œufs. Alors, 183, on s'en fout. 166, on s'en fout. 166, on s'en fout. 66, on s'en fout. 316, on s'en fout. 66, on s'en fout. 600. Du coup, DHL, on en a 4. C'est déjà bien. Hein. 66, on s'en fout. 316, on s'en fout. Ah, j'ai dit que je répondais à mes messages histoire de. Je réponds à mes messages.
d'accord, on va voir. J'ai shooté, moi. On est en radiation, donc. C'est quoi? Un mal 616. Coucou Brian King, bah salut, ça va et toi? Putain, pourquoi c'est les mâles qui sont HL? J'en peux plus. Bah voilà. Tout ce que je voulais, moi. Bon, on va faire le tour histoire 2, puis après on se rentre. Level 600, ben voilà. Oh. Ils me font des cadeaux. Tu devrais porter la tenue Gen 2 dans cette grotte. Oui, je sais. Je sais, mais j'avais pas le temps et j'avais oublié qu'il y avait les radiations. Du coup, je le fais comme ça et ça fonctionne très bien. Bon, il faudra juste que je reprenne une potion, enfin un tonique d'amnésie pour remettre tous mes points, mais... Même la tenue tech, normalement, ça fonctionne, mais... Bah, la tenue Gen 2, de toute façon, c'est la tenue tech. Je pense que c'est celle-là dont tu parles. Mais... C'est pas grave. Je fais que de mourir depuis tout à l'heure. Je retourne en haut, je meurs, je réapparais. Ça marche très bien. J'avais oublié qu'il y avait la radiation dans cette grotte-là. Mais bon. Pas grave, de toute façon. J'aime pas quand il y a des lags. J'ai pas envie de me retrouver coincé dans cette grotte. Bonjour. Tu joues sur quel serveur déjà? Sur Virtual Friend. Friend. Virtual. Pas virtuel en anglais, quoi. Avec un A à la place du E. Et au masculin. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Ah bah. Je pense qu'on a assez d'œufs et que si j'ai pas un couple dans tous les œufs qu'on a, vraiment que le jeu se fout de ma gueule. Est-ce qu'on meurt encore une fois? De toute façon, j'ai quasi plus de vie. Je suis à mes vies, quoi. Ouais, allez, on se rentre. J'ai 2000 points de vie, de toute façon. Ah! Attendez. Et ce nid là, il a que du 316. Il fait spawn des œufs level 316 ce nid. Hop là. Bref, tous mes lits. Enfin, il ne doit pas en rester beaucoup. Ah si, quand même. Hop là. Allez, on se transfère à la maison et on se fait éclore ces petits trucs là. Je ferai éclore un couple pour moi, puis les autres je les laisserai pour les gars. Alors, je connais pas la map. Une tour, il y en a une là-bas. Je crois que c'est des tours, je suis pas sûr. On est tellement pas sur dur. Putain, déjà 1h30 quasiment qu'on est dans cette grotte et qu'on fait que de décéder, de récupérer des œufs. Mon armure.
TP, c'est mieux. Ici, on enlève les trophées. On enlève tout ce qui m'intéresse pas. Voilà, j'ai récupéré quelques œufs. Quelques-uns. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et j'étais pas satisfait. Maintenant, on a 6 HL. Et dans les 6, il y aura bien un couple. Je l'espère. Je sais pas combien de fois je suis mort pour cette merde. Mais beaucoup. Donne-moi tout ça. J'ai absolument tout. Ma cryo, elle est là. Je vais pas me faire dégommer par je sais pas quoi. Cristal. Hop là. En espérant ne pas crash. Parce que bon, on a crash un peu deux fois depuis le début du live. Que deux fois. Faut que je regarde pour voir s'il n'y a pas la couleur verte. Il y a un des membres de la tribu qui est fan de la couleur verte. Donc ce serait sympa que j'arrive à le ressortir. L'autre il est fan du bleu. J'ai crash. Je crois hein. Ah non. Alors ça c'est chez moi ça. Quasi sûr. Vu qu'il y a des sacs de couchage. Faut que je renomme Mélie en mettant Matisse dessus. Akuma plutôt. Je crois pas que Kix connaît mon prénom. Ah oui, je suis pas encore. Pourquoi démolissage dans 3 jours? Pourquoi? Ah, c'est bon. C'est vraiment nécessaire que je le refasse maintenant du coup. Alors, j'ai trop de dinos partout. Du coup, mes stats sont comment? Et j'ai tout dans la vie encore. Ok. Bon, on va changer tout ça. Beaucoup de choses.
même pas ce que je supprime. J'ai peut-être supprimé un truc sans faire gaffe. Ouf. Ok. Sac de couchage, pareil. J'ai pas besoin d'en avoir autant. Il est pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Oh. Voilà. Bon, les œufs, on s'en occupe après. Pour l'instant, on retourne en haut. Là-dedans, j'ai rangé mon stuff. Flèche, il y en a 3000 fois trop. C'est mon arbalète ça, pourquoi elle est là la maison? C'est bien ça là la maison. Bah oui. Ça c'est pas mon arc ça. Ça c'est mon arc. Ça c'est mon fusil. Ça c'est ma truc là, ma lance. Ça c'est ma pioche à balade dedans. Bon, c'est pas mal. Ma tenue en métal, elle est là. Ma balle est là. Parce qu'après je vais me remettre sur le tech. Les éléments en attendant, je vais les mettre dans ma barre comme ça. Pour tout le reste, je crois bien que ça peut aller au braillage. Broyeur, il est là-bas. Ah oui, et avant, faut que je regarde là. Dans prochaine map, j'ai ça. Dans prochaine map, on va mettre ça. Ça. Centre d'usinage n'y est pas. La forge indue. Frigo, il y en a 3. Broyeur, il y est. Ok. Si on trois reste. Pouf, au broyeur. On va sortir le griffon. Dans lequel je vais mettre de la viande. Et ça, bon, le reste pour l'instant, on n'en a pas besoin.
d'amnésie pour oublier nos points et on va tout remettre. Pour ça, il faut que je reprenne une photo de mes stats. Alors, du coup, un point dans le poids. Ah, c'est bon, ça tourne, ça remachine tout. J'étais à 80 000 dans le poids. Ok. En résistance, j'étais à 300. Pourquoi ça me débloque pas tout? C'est que ça m'a vraiment tout débloqué d'un coup. Ok. Artisanat, j'étais à 4 000. C'est bien de courir vite. Ok. Oxygène, j'étais à 1020. Énergie, 520. Donc là, et sinon, je crois que j'ai rien oublié. Tout le reste dans la vie. Et d'ailleurs, on va décéder vite teuf du coup. On va décéder vite teuf. Histoire de pouvoir récupérer la vie. Pouf. Je vais regarder si je pouvais respawn. Ouais, si c'est bon. Un sac de couchage, non, je suis trop con. Mange là. C'est moi qui fais du bruit comme ça avec mes chaussures d'extraterrestre. Merde, d'ailleurs, ma chambre. Je partais, moi. Alors, ça. On va tout diviser après parce que ça fait beaucoup trop. Là, ça faudrait même que je les mette au frigo, les fléchettes améliorées. Voilà. On va prendre ça. C'est très bien. Ok. Bon. Prenons les EHL et allons voir ce que ça donne. 83, 316, 166, 316, 183, 183, 200, 200, 300, 316, 333. Ouais. Ah, 116, 600, 166, non.
Ok. Bon, tout ça, c'est là-haut. D'ailleurs, ce qu'on va faire, tant que je fasse ça. Ces trois-là. Parce que du coup, il a fait son Drake Xenox. Mais il est level 80, donc voilà. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Ok. Donc on a trois femelles et trois mâles. Ouais, c'est ça. Alors, lequel je prends pour moi? Des 616, il y en a un, il y en a deux. Il y en a deux. C'est un couple, les 616. Et ça, c'est très bien. Je vais prendre en photo leur point. Histoire de voir le bébé, quand il sera parfait, comment il doit ressortir. Déjà là, la femelle a plus de points de vie, elle a plus d'énergie, elle a plus de poids, le mâle a plus d'attaque, elle a plus d'oxygène, il a plus de bouffe. Ok. C'est pas mal. On va se faire grandir les deux HL. Les autres, je laisserai pour les gars. Ils font ce qu'ils veulent. Que je fasse les imprints avant que les gars y touchent. Puis on les fera grandir, enfin on les laisse grandir, parce qu'après j'irai manger. Là je voulais juste faire des œufs, histoire de regarder, essayer d'avoir un parfait mâle, parce qu'on a un parfait femelle, qui est au niveau combien d'ailleurs? 141. Je crois que j'ai pas passé de points dans le poids en plus, la femelle parfaite. Mais une mutation violette. Ou vert clair, je pense que c'est le violet. Bon, on va se garder la mutation pour regarder, mais suis pas sûr de la mutation, mais bon, on verra. On va faire une repro de Tila. Les loups là, ça fait bizarre, il n'y en a plus. Ce serait bien que justement j'arrive à sortir une autre femelle. Comme ça couple là. Avec un autre mâle. Il y a quoi comme stat? Oula. Il y a quoi comme stat son. De vie, 20 000 d'énergie, 400 000 de poids. Il a tout mis dans le poids. En fait, il a tout mis dans le poids. Il s'est mis là. Et après, ils osent me dire. Enfin, lui, il ose me dire. On n'aura pas assez de cryo et tout. Faut que je me calme sur le timing de l'outre et tout. Mes frères, calme-toi tout court aussi sur le wyvern. C'est pas possible. Je suis devenu la base la plus raisonnable, alors que de base, je suis le pire. On a
99 dit notre sortie. C'est quoi la limite? C'est 100. Bon. On va ranger. Voilà. On va ranger. Je vais envoyer un message sur le groupe. Je sais pas si je peux les ping sur Pascal. Non. Le serveur. Attendez, parce que ça se trouve, j'ai dit une énorme bêtise et c'est 1000 dinos. Non, c'est bien 100. Et je vais ajouter une photo, histoire de dire que voilà, c'est... Je peux pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça ils sont au courant. Qu'est-ce que je peux ranger moi dans mes dinos? Je pense que je vais ranger pas mal de plumineux et tout. Parce que j'ai pas grand-chose d'autre. Juste aller sortir mes drakes. Du coup le spino ouais. Passif. Tu bouges pas. Et toi, t'es 616. Ok. Comme ça. Oula, t'as une couleur. Allez, viens. Tu vas venir avec ton futur mari. Je vais pas vous faire d'imprint, non. Par contre, elle, avec son violet, elle est vraiment belle. Lui, il a un beau bleu aussi.
Mais j'aime pas du tout ses plumes. Ah merde, j'avais oublié. 750. Ah oui. Que je pense qu'il n'y en a plus beaucoup ici là. Oh si, ça va. Je vais remettre de la viande malgré qu'ils ne s'en mangent pas techniquement. Ça m'embête un peu. Si un level 80 a réussi à survivre, je pense que des level 600 devraient y arriver. J'espère. Bon. Donc, je pense que tous ces animaux marins, ils iront en cryo. Ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qu'il y a dans ma barre. Faut vraiment que j'enlève mon chapeau. Très fou. La bouffe, je peux l'enlever, j'aurai pas faim avant un petit moment. Pour économiser, on fait comme ça. Du gecko en cryo. À choisir, je préfère laisser le bleu de sortie. Niveau de mes loutres. Alors, toi, t'es très joli. Toi, t'es moche, par contre, hein, le gecko. Mais par contre, faut que je laisse pour voir où je prends mes cryos. Toi. Ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Donc en fait, ce qui me saoule, c'est que niveau enclos et tout que j'ai en bas, les Rex, on va les ranger. Le Parasaur, on va le laisser de sortie parce qu'il y a une maison dessus. Donc du coup, je veux pas embêter Xenox avec ça. Ouais, j'ai celle-là, donc toi tu vas aller en cryo aussi. Toi t'es pas beau. Allez, que tu sois Shell. Après, ma wyverne tropicale de base, je pense que je vais la ranger. Les loups. Je vais peut-être en laisser deux de sortie, mais les autres ils vont soit décéder, soit aller en cryo. Les morphodons, je le garde. Toi, je te range. Désolé. Bavé. Poule bleue. Tu vas venir sur mon épaule. Tu vas aller là. Si tu veux. Toi, là. Ok. Toi, tu m'embêtes un peu d'être dans le mur. Coucou Alexis, comment ça va? Ah, il y a encore un gecko. Bon, c'est pas très grave. Le bleu ou le rose? Bah écoute, ça va. Là-bas. Ah oui, au coin, d'accord. Là, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il faut que je range d'autre? Tu fais quoi? Alors, j'ai découvert qu'il y avait une limite de dinos à 100 sur le serveur. Donc, du coup, vu que mes coéquipiers ne sont pas connectés, moi, je range un peu mon bordel. Parce que sinon, je pourrais plus faire mes repros. Donc, ce serait un peu chiant. Voilà. Grosso modo ce que je fais. Putain, faut que j'enlève mon casque. Ça va pas le dire. Masque et chapeau. Alors toi t'es une repro, j'imagine.
Ouais, t'as pas de mutation. C'était juste pour avoir une femelle en plus. Je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Heureusement que je fais mal. Mais. Ces trois-là, on va les laisser de sortie. Non, quoique. Muta rouge, on va le mettre en cryo. Je peux rejoindre ton serveur. Alors, c'est pas mon serveur. Mais oui, tu peux totalement rejoindre. Je te mets le nom. Après, rejoindre la tribu. Pas forcément. On est déjà trois et on est presque à faire les boss. Donc, voilà. Mais tu peux rejoindre le serveur. Je te le mets en. Sur le Discord. Sur le Discord. Sur Twitch. Voilà. Alors, je disais que ma Wyvern tropicale, je la range. Laisse-moi la mettre en cryo. Comment ça, elle a un sac? Oh, ça va. Y a que ça. On va les prendre, on va les ranger. Toi, mets-toi bien. Du coup, t'es la seule et l'unique maintenant. Oula. Pense qu'on est bien comme ça. On a combien de dinos là déjà? 88. C'est déjà pas mal. Mais bon, on va y ranger un peu ce qu'il y a tout en bas. Il y a le couple de Vrex qui servent à rien. Oui, non, Carnot il est en bas. Carnot c'est pareil. Ah, vos gueules, les cerfs. Du bruit pour pas grand-chose, ces machins-là. C'est surtout les gars, j'aimerais bien qu'ils rangent un peu leur bordel. Parce que eux, ils en ont. Ouf! Un nombre de dinos. Quelle heure est-il? Il est midi 15 déjà. Là-dedans. Toute façon, ils mangent pas de viande techniquement. Non. Je peux les forcer ou pas? En espérant qu'ils soient encore bien quand je me reconnecte. Ah! Bah oui, mais non. Laissez-moi descendre. Ouf. Alors. Comme je les appelle. Les papayes. Dans les popoys, mais tout ça. C'est beaucoup. Et je pourrais aller encore plus loin. Dans les popoys, on met les les plumes.
Ah non. Oh, je sais pas, je sais pas. Je crois que je peux pas. C'est pas grave. Les Rex, ils sont pas à moi. La mute à rouge. Alors. On va faire un dossier loup. Ça. Hiverne. Dans les hivernes, on met ça. Ok. Les Rex et Carnot, ils sont à Xenox. Que quand on regarde tout ça, franchement, il a 4, 8, il a 8 hivernes de sortie en plus de son Drake bas level, 2 Tilacoléo, son Griffon. Là, il a un nombre, et encore j'en avais plus que lui, mais du coup, je me suis limité, j'ai tout rangé. Waouh. Là où il a ses deux mégalania. Il est où son cryo-frigo? Il est en bas, merde, j'ai oublié. Là. Il le cache. C'est sûr? Ouais, il a son escargot en cryo, c'est tout. On est à 85 dinos. J'en ai enlevé un peu plus d'une dizaine. Sachant que moi je vais aller ceux qui font des repos, eux ils en font pas des repos. Lui ce qu'il a fait. Bravo de la Guadeloupe. Sur une Celtec. D'accord. Là lui c'est pareil. Il y a combien de verres? 4. 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 wyverns. Alors qu'il a un zoo chez lui, clairement. Là-bas, il y en a encore 4 et c'est pas les miennes. Et je suis plus raisonnable. Hein. Moi, j'ai 3 chevaux qui sont en bas, plus les spinos. Les spinos pour les boss, j'ai pas vraiment le choix. Oh merde, j'ai encore oublié dans les repros. T'en as pas un autre en route, hein? Non. Allez, viens. Histoire d'arranger un petit peu. Carré. Triangle. O. Croix. O. Croix. Non, c'est même pas croix, mais c'est la viande que je mets sur croix. Et un dernier, le sac de couchage. Hop là. Toi, au revoir. Ça se spawn dans 29 minutes, je serai plus là. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même prendre des photos des stats au cas où. Mais bon, non, j'ai les photos des points dans le... Ouais, les photos des points, ça suffit. Il a bouffe, c'est ça que je vois. Ouais, ça va. Ça devrait aller.
L'autre petit, il avait même pas mille de bouffe, il a survécu. Il a survécu. Ma langue française. Mais la vraie question, c'est il y a combien de dinos dans l'eau? Le basilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parce que je crois qu'il en a en plus dans ses frigos lui. Bordel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me couille, il y en a de plus en plus. En soi, c'est pas qu'une impression. Ils sont en bas les cryo-frigos. Mais je crois qu'il n'y a même pas de cryo-frigo. Je crois que toutes les cryos elles sont sur lui. Oui. Sur lui. Il n'en a plus en cryo-frigo. Des murtecs. En faut des murtecs et tout en plus. Ah c'est ça que je voulais faire, je voulais regarder si on avait dans le truc de stockage pour en piquer un peu. Parce que je sais qu'il veut faire sa maison en tech lui aussi. Je crois qu'on veut tous faire notre maison en tech sur le prochain serveur. Même si c'est la mienne qui va être la plus jolie. Mais du coup, ça m'embête un peu. Je vais voir si je pouvais en piquer un petit peu là-dedans. Quelque part, il doit y en avoir. Non. Fondation pour enclos, j'en ai rien à foutre. Ah, fenêtre. Par contre, je prends. Ouais, il n'y en a qu'une. Je vais la garder. Y a rien, il y a quelques trucs. Bon. Mais y a rien. Y a rien. S'en fout. Ça c'est porte. Ouais. Je prends. Non. Échelle, j'en aurais peut-être pas besoin, mais bon. Ça c'est des piliers. Oui. Ça c'est des balustrades, ça. Ça c'est pareil, je prends. Pourquoi il n'y a plus que ça? Qu'est-ce qu'il a fait tout le reste? À tous les coups, il a tout mis dans sa base. Combien ça coûte d'éléments de faire des murs et tout. Je vais quand même lui en laisser quelques-uns, quoi. Je vais diviser parce que je suis pas un bâtard. Mais 41 fondas. Mais pardon. J'avoue que lui, il a la bonne idée de faire tous les loots qu'il croise. C'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse.
appart, je m'en fous. Et ça, pouf. Ça, des portes, j'aurais pas besoin de beaucoup techniquement. C'est quoi l'étage? Et lui, il est pas rempli de bordel sur lui. Oh le bordel. Par contre, c'est moi qui ai le plus d'éléments parmi toutes les tribus. Mais lâche-moi. En soi, ma maison sera pas très grande. Si jamais il me reste des choses, je vais la redonner. Artefact, armes, munitions et armure, métal électrique, tech. Pardon. Il a. Non, c'est pas moi qui en ai le plus. Hein. Waouh. Il en a énormément. Cette bonne guerre, il m'a pris des cryos. Je sens qu'il faudra vraiment que je fasse un moment où je fais que des loot. Mais que des loot. Je pense que déjà avec ça je suis large parce qu'il y aura beaucoup de vitres aussi dans ma maison. Donc, je pense que là je suis déjà large. Bon, il est quelle heure? Midi 15, je disais que ça fait beaucoup, il s'est passé 15 minutes encore. Je vais juste regarder les drakes. C'est les drakes moi qui me stressent. J'ai pas envie qu'ils meurent. Je vais tous les deux décaler. Je vais prendre des photos des stats et je vais quand même leur faire leurs imprints. Voilà. J'ai bien les deux photos, femelle et mâle, parfait. Voilà, ouf, bon, vache décolla. On aura fait pas mal de choses quand même ce matin. Ah, le relevé. Bon, en tout cas, on vous fait les poutous. On dit à tout à l'heure, sans doute. À part si on fait rien d'intéressant, mais ça m'étonnerait. Donc je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous.